Bonjour, c'est parti pour une petite séance de 30 minutes basée sur le thème du circuit training. Donc je vais reprendre la musique de la Nordic Fit qui est 30 secondes, 30 secondes. Sur la phase de 30 secondes de récupération, si toutefois vous avez les capacités, vous pouvez soit marcher sur place, soit faire un step touch ou soit trottiner. D'accord ? C'est comme vous le voulez. On a déjà fait deux séances cardio de 30 minutes. Ça, ce genre de séance-là aujourd'hui, circuit training, ça peut être une alternative. Par exemple, le lundi, on fait plus du cardio et le mardi, on fait plus un circuit training, renforcement musculaire avec des phases de récupération toutes les 30 secondes. Je vais tant soit peu essayer d'adapter les exercices pour des personnes qui ne peuvent pas rester longtemps debout sur la chaise. Mais voilà, donc vous avez besoin d'une chaise, d'une bouteille d'eau ou de poids si vous avez. Aujourd'hui, je suis accompagnée de... Marceau, bonjour. Bonjour, et c'est Marceau qui va faire l'échauffement articulaire. D'accord, tu montres ? Alors, même si c'est la musique de la Nordic Fit, on va commencer par un petit échauffement articulaire pour que la séance fasse bien 30 minutes. Allez, c'est parti ! Allez, tu montres ? On commence par quoi, Marceau ? La tête. On dit oui ? Je te suis, hein. Ensuite ? On dit non ? 3, 2, 1. Alors, tout en faisant l'échauffement articulaire, on rentre son ventre, on se tient bien droit, on tient le dos bien droit et on regarde devant soi. Les épaules ? On monte les épaules. Allez, hop ! On serre la taille. Sur l'arrière, les épaules, en arrière, on ouvre, allez. Voleur. Hop, 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 on serre bien, on rentre le ventre. Allez, des cercles vers l'avant. Allez, le bassin dans un sens et dans l'autre. Dans un sens, tu sais pas faire dans un sens. On fait un rond et on revient. Ok, on met les mains sur les genoux, on fait des petits cercles avec les genoux. Tranquillement, voilà, on fait flexion tendue. Voilà, tranquillement. Ouais, t'as un bobo. Et ensuite, on fait les chevilles. Voilà. On se tient droit, on regarde devant, on serre la taille et on relâche pas le ventre. Hein. Dans l'autre sens. Allez, on monte les talons. Ça va ? On lève les talons. On va monter un peu la température du corps tout doucement. Là, on a fait l'échauffement articulaire. On va bouger un petit peu. On bouge les bras. Là, mes bras. Hop, hop. Et les bras. Et on va monter tranquillement les jambes. Allez. On souffle. Hop. 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 On suit le rythme de la musique. Allez, on monte les genoux tranquillement. Et on va écarter les jambes et fermer les jambes. Maintenant. On fait un step touch, on écarte, on ferme. Ouais, ça c'est facile. Ils sont belles tes baskets. Bah, j'ai vu. On écarte, on ferme. On serre. On rentre son ventre. On se tient droit. Ça fait que 3 minutes. On va faire un talon-fesse. Voilà, pour l'instant, on va vraiment tranquillement. Voilà, tac. Talon-fesse. On tire avec les bras sur l'arrière. On tire, tire. Et on lève le talon en même temps. Allez. 1, 2, 1. On va garder la jambe et on va laver toujours la même jambe. D'accord ? Jambe droite, allez. On lève, on pose. On lève, on pose. Et on vient taper la main opposée. Là. C'est
marche sur place, on détend les jambes et on va faire le même exercice sur l'autre jambe. Alors on va progressivement, hein, parce qu'on doit tenir 30 minutes. Hein. 30 minutes. On fait la même chose avec l'autre jambe. Vous voyez, je contrôle, je ne vais pas forcément vite. Hein. Je lève, je pose. Je lève, je pose. Voilà. On contrôle. On souffle quand on lève le genou. Allez, souffle. Et souffle. Encore. Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez vous tenir sur la chaise. Et on relâche. Alors, on va se tenir sur la chaise, on va écarter la jambe sur le côté. Ça, c'est facile, hein? Ça, vous pouvez le faire. Voilà. Là, on écarte, on ferme. Par contre, on fait bien ça parce qu'on dit pas ça. Clac, droit, et on écarte. Allez, c'est parti. On se tient droit. Ça va? Ça va, Marceau? On souffle bien. Allez. Allez, on écarte bien la jambe. Ça fait mal? Alors j'ai dit, hein, si vous êtes en forme, vous pouvez trottiner sur place, marcher ou faire un step touch. C'est quoi, on arrête? Oh, c'est dans longtemps, encore 25 minutes. Là on va changer de jambe. N'hésitez pas à prendre appui sur une chaise. Hop. Là, je prends appui, je me tiens droit. Le pied il est bien parallèle, il part pas sur le côté, vous avez vu? Bien parallèle à la jambe. On lève sur le côté, on serre la taille, on regarde devant soi. Allez. Ouh, ça commence à piquer, mais on tient. Allez. Ça pique. Ouf. Et on relâche. Le faire sur votre mur, c'est, on l'avait déjà fait la dernière fois, je fais des pompes sur le mur, je vais vous le montrer sur la chaise, mais je préférerais d'autant plus que vous le fassiez sur un mur. Là, on reste fixe, on fait du gainage, si vous avez les capacités, vous le faites au sol, d'accord, et vous restez sur les coudes. On garde un alignement entre les épaules, les hanches et les chevilles. Là. On souffle bien, on ne bloque pas sa respiration. Respire bien. Voilà. N'hésitez pas à adapter l'exercice et à le faire au sol. Hein. On relâche. C'est quand c'est fini? Recule, Marceau. On va faire talon-fesse. Tire sur l'arrière et on se plie un petit peu au milieu. Plie et on tire, s'il te plaît, Marceau. Chut. Je vais mettre un scotch sur la bouche. Voilà. On plie, on tire. On plie, on tire. Si vous ne pouvez pas fléchir parce que c'est trop coûteux en énergie, on reste debout et on tire. Là. 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 Et on relâche. Alors, si la séance, elle devient un peu compliquée, rien ne vous empêche de faire un peu d'exercice et d'adapter sur la chaise. Là, ça fait à peu près 8 minutes. Et de revenir quand vous le sentez un peu mieux. Là, on va fléchir les jambes, basculer le bassin, se tenir droit et pousser sur l'arrière. Ça, vous pouvez le faire assis. On pousse. Là. N'oubliez pas de ramener les fesses et de pousser sur l'arrière. La droite. Souffle bien, pousse sur l'arrière. On ne vient pas devant, hein. On reste sur l'arrière. On pousse, 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 pousse. On relâche.
prendre une bouteille d'eau ou alors des poids si vous avez. On va reprendre cette position de jambes fléchies, bascule du bassin et on va venir fléchir. On reste toujours les bras semi-fléchis. Là. Allez. On souffle bien. Je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien le faire assis. Là. Mais assis, pas comme ça. Assis, dos droit, comme je l'ai déjà montré sur les autres vidéos. Attention Marceau, c'est lourd. Hein. On souffle bien. Écarte les jambes et prends qu'un seul poids parce que c'est très lourd. Voilà, tu fais les deux en même temps, comme maman là. Voilà. Et on relâche, ça va? On va rester sur les bras. Alors, on va monter, on va inspirer et on va descendre, on va souffler. Important, vous gardez le dos bien droit. Ok? Je peux très bien le faire assis. Reste assis. Les jambes bien droites, tu peux stopper ici. Inspire, souffle en rentrant le ventre. On lève la bouteille devant les yeux et on la descend. J'inspire et je souffle en contrôlant et en serrant la taille. J'inspire et je souffle. Alors, chacun va à ce rythme dans ses séances. Si vous avez possibilité d'aller plus vite, allez plus vite. Vous investissez en fonction de vos capacités. Moi, j'essaye d'aller au rythme de tout le monde. Allez, on relâche. Ça va? Si ça devient trop dur, tu peux arrêter, Marceau. On relâche un petit peu. Travaillez un peu sur la taille. Bascule du bassin, rentre le ventre. On va aller de part et d'autre. Là. Là. Je peux très bien le faire assis, d'accord? Ou je peux très bien le faire assez rapidement. Toujours bien faire sa bascule du bassin. Entrez le ventre, tenez-vous droit. Et on respire bien. Et on souffle. Ça fait 10 minutes. Allez, on tient bon. N'hésitez pas, hein, si vous êtes chaud entre deux, vous pouvez trottiner. Moi, je préfère récupérer aujourd'hui. Bascule du bassin, dos droit, on va tourner sur le côté. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Là, là. On respire. Un petit peu, on va aller travailler un peu les jambes. On va tous s'asseoir. Alors, assis un peu plus dans le fond de la chaise, dos droit, ventre rentré. Je tends, je plie. On souffle, je relâche pas les abdos. Allez. Et on souffle. N'oubliez pas, hein, on n'est pas avachi sur la chaise. On se tient correctement. Là, jambes écartées de la largeur du bassin. On se tient droit et on rentre le ventre. Là, je vais mettre sur le bord. Je vais me lever, souffler et j'inspire, je m'assois. D'accord? On va à son rythme. Souffle bien. Et vous pouvez accélérer, hein, si c'est trop facile. On respire bien. Allez. On respire. Allez. Et on relâche. Ça va?
va rester jambe droite tendue, pause, jambe gauche tendue. On ramène la pointe de pied vers soi. Les autres. Une jambe devant fléchie. Voilà, on descend. Haut, droit, haut, droit. Donc, si on a mal au genou, on reste assis. On tend la jambe, si ça va. On avance une jambe et on plie la jambe arrière. Le mouvement, c'est de haut en bas. Le genou devant est fixe. Changer de jambe. Profitez-en pour boire un petit peu d'eau pendant les 30 secondes de pause. On change de jambe. N'hésitez pas à vous tenir. Alors pour ceux qui sont assis, les jambes tendues, là, et le ventre rentré. Là, là, pas comme ça, là, et on relâche. On va prendre appui sur la chaise, toujours la jambe fixe, on va pousser sur l'arrière et on va venir taper le genou sur la chaise. Là. Pour ceux qui sont assis, on va faire talon-fesse. Là. Ok ? Pour ceux qui sont debout, on vient tendre la jambe et on vient toucher le genou. Je gaine bien, je suis fixe. Le buste est fixe et la jambe d'appui est fixe. Il n'y a que la jambe qui est en mouvement là. Bouge. Regarde devant soi et on serre le ventre. Allez. Et on relâche. On va changer de jambe. Je rappelle encore une fois que pour ceux qui sont en forme, ils peuvent trottiner sur place ou faire un step touch ou marcher. On relâche. On fait l'autre jambe. Là. On pousse. Le genou sur la chaise. On souffle et on tend la jambe. On s'appuie bien. Ceux qui sont assis sur la chaise, vous faites un talon-fesse. Et on relâche. Ça va ? Ça commence à piquer au niveau des cuisses. Allez, on va se mettre derrière la chaise. On va faire grand mouvement écart sur le côté. Allez, on s'appuie. En même temps, vous devez bien serrer la taille. Un peu fléchie, bascule du bassin. Je rentre le ventre, je me tiens droit. Je serre et je fais le mouvement en même temps. Allez, j'écarte la jambe. Si vous ne pouvez pas, vous posez, écart, posez, écart, posez. Ok ? Allez, on tient. Et on relâche. Ouh. On va faire l'autre jambe. On prend bien appui. Un peu les bras, on rentre les fesses, on se tient droit. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. On rentre bien le ventre. On respire, on bloque pas la respiration et on se tient droit. Allez. On détend un peu les cuisses. Alors,
va ouvrir les jambes, pieds ouverts, on va fléchir et remonter. Inspire. Alors si vous pouvez, vous faites plus de mouvements, hein, pas de soucis. Inspire, souffle, le dos bien droit et le ventre serré. Trop dur, vous vous asseyez sur les chaises, on va boxer, vous savez que c'est mon mouvement préféré. Moi je vais le faire dans la même position qu'on était tout à l'heure, c'est-à-dire jambes très écartées, pieds ouverts, on va fléchir, mais si c'est trop dur, on va faire assis, jambes écartées. C'est comme vous voulez. Là. Et on accélère les coups de poing. Respire bien, on serre la taille. Lâche. Il reste 10 minutes. Allez. On descend un peu. Pareil, je peux la faire sur la chaise. Écart, devant, on monte. 4, 3, 2, 1. Ou je peux la faire dans la même position là. Toujours cette bascule du bassin, on serre la taille. Très concentré, le regard bien vers l'avant, on serre bien la taille. Genoux opposés, clac. Alors soit on le fait assis, tac, commence à avoir l'habitude des exercices que je vous montre, soit on le fait debout. Allez, je vais le faire debout, j'en ai besoin aussi de travailler. Là, souffle, souffle, souffle. On souffle quand on ramène le genou sur la poitrine, voilà, vers le coude opposé, pardon. On souffle et on contracte les abdos en même temps. Allez, et on peut mettre du rythme. Même sur la chaise, on peut mettre du rythme. On souffle bien. On relâche. On détend, détend, détend. Allez. On va fléchir, monter les bras, fléchir sur le côté. Là. Ou alors assis avec des mouvements rapides sans relâcher le ventre. Par contre, vous avez les jambes bien ouvertes comme pointe de pied vers l'extérieur. Là. Inspire, souffle. C'est un petit peu difficile, mais c'est bientôt la fin. Allez, on s'accroche. Plus que 8 minutes. Allez, on prend sa bouteille d'eau ou son poids. Jambes à 90 degrés. 3, 2, 1. On tend, on plie. Et on serre. On relâche pas la taille. Important de bien serrer
les lever à hauteur des yeux. Soufflez, descendre pour toucher les genoux. On est bien tiré vers le haut. Allez, c'est parti. Et on souffle. Allez, on se tient droit. Les jambes bien écartées de la largeur du bassin. Et on souffle. Inspire, souffle en rentrant le vent. Inspire, souffle. Et on relâche. On va prendre appui sur la chaise, je vais mettre de côté. Là. Et on va twister. Le haut du corps ne bouge pas. C'est que le bas. On serre la taille à fond, on regarde devant soi. Un peu fléchi. Hein. On se relève, on essaye de se relever. On va faire un petit talon-fesse. On va pencher un peu le buste vers l'avant. Et on va tirer là, sur l'arrière. 1, 2. Si j'ai pas d'équilibre, je m'appuie. Si j'ai de l'équilibre, là. Le dos toujours droit. On souffle. Allez, reste 4 minutes. On relâche. On détend un peu les jambes. Alors, on va faire écart, montée de genoux. Écart, montée de genoux. Ok ? Dos droit, ventre rentré. C'est parti. Respire et surtout on se tient droit. On souffle quand on monte le genou. Les 30 secondes s'arrêtent. On a besoin de ce temps de récupération. On va changer de côté. Pas besoin d'aller trop vite. Hein. Faut être bien gainé, bien se tenir droit. Allez, c'est parti. Montée de genoux, écart. On souffle maintenant et on écarte. Allez. On essaye de le faire soit contre un mur, d'accord, ou soit au sol si vous avez les capacités. Là, je plie, je tends. Alors, je suis capable de faire ça parce que le sol est antidérapant, mais je préfère que vous fassiez contre un mur. Et on souffle. On penche un peu plus le buste, on fléchit un peu les genoux et on penche le buste. Et on relâche. Ça vient bon, ça vient bon. Allez, on va faire un peu les
jambes un peu fléchies, bastu de bassin, ventre rentré. On va changer la main de main. On écarte, on ferme et on se passe la bouteille d'une main à l'autre. Inspire et on souffle, d'accord? Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez. Voilà, vous avez fait vos 30 minutes de renforcement musculaire. On va s'étirer un petit peu. Allez, on détend. On monte les mains vers le ciel, on inspire. Et on souffle. Encore. Et on souffle. On tire, on rentre le ventre, on tire et on relâche. Une jambe devant, une jambe derrière. On plie un peu les bras. Toujours le dos bien droit. On change de jambe. On souffle. On met les fesses en arrière, on va venir mettre la tête entre les bras. On plie les genoux, on attrape le pied pour ceux qui peuvent. Si ça ne va pas, vous pouvez attraper avec un torchon, on l'avait vu la semaine dernière. On souffle bien. On relâche. De l'autre côté. Bon ben voilà, j'espère que cette petite séance de 30 minutes de renforcement musculaire vous a fait grand bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt, au revoir.